Je vous propose une chose. Chaque fois qu'on appellera votre chorale, vous avez le droit de crier autant que vous voulez. Mais quand on vous appelle vous, voici, présenté par Sylvie Maurice, le résultat du palmarès de ce concours numéro 62 du chant choral de ce 19 mai 2010. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en ouverture du concours, je vous promettais une magie. Celle-ci a opéré. Le théâtre vide de ce début d'après-midi est rempli de jeunesse et de public. C'est la plus belle récompense pour notre comité d'organisation. La grande partition, sans solo, mais avec de solides toutus et des accords harmonieux, va se refermer pour une année. La portée de cette œuvre musicale annuelle est sans nul doute le bonheur que nous avons eu à rassembler la jeunesse chantante de notre région et des régions amies dans une parfaite harmonie. Dans quelques minutes, nous proclamerons le résultat du jury. Quel qu'il soit, sachez, chers choristes et chefs de chœur, que nous avons passé une après-midi musicale fort agréable avec vos chants et votre enthousiasme. Vous avez prouvé combien quelques notes de musique préparées avec intensité durant de longs mois ont contribué au bien vivre ensemble avec et pour les autres. Avant de vous présenter les personnes officielles présentes sur scène, je souhaiterais qu'elles soient remerciées pour leur fidèle participation et leurs dons généreux en coupe et en prix. Dans le plus grand respect, sans cri ni débordement, je m'adresse spécialement à vous les jeunes. Je vous invite à les applaudir très chaleureusement. La Confédération musicale de France nous prie de l'excuser, mais nous a transmis tous ses vœux de réussite. Nous avons eu l'honneur d'accueillir M. Jean Rotner, maire de Mulhouse, en début d'après-midi. J'ai le plaisir de saluer M. Michel Samuel Weiss, maire adjoint de Mulhouse, délégué à la culture. Mme Annette Bourg, conseillère municipale déléguée. M. Raoul Flimelin et Mme co-fondateur de ce concours, M. Marcel Rose-Burger, secrétaire général de ce concours durant de longues années, M. Jean-Pierre Moser et Madame, co-fondateur et président d'honneur de ce concours, pour l'Association des sociétés chorales d'Alsace, M. Jean-Louis Weber, président, M. Fabrice Gauquer, membre du comité et président du concours de Strasbourg, la Fondation Alliance du groupe CAPSA Carpreca, représentée par M. Jean-Marie Meyer, président. Le Conseil Général, représenté par M. Pierre Freiburgi. La Renaissance française, représentée par M. Albert Dur, président délégué, M. André Leglin, vice-président. L'Office de la langue et culture d'Alsace, représenté par Mme Huguette Dur. La Schweizlichi Confrérie Mulhouse, représentée par M. Gérard Wunderlé, président, M. Jean-Paul Carrère, vice-président. La Mutuelle de la ville de Mulhouse, représentée par M. Patrick Renard, directeur, M. Lucien Bergans, vice-président honoraire. Pour les caisses de Crédit Mutuel Mulhouse, nous saluons pour la CCM Saint-Joseph Mulhouse, M. Benner et Fogel, président et vice-président. Pour la CCM Mulhouse Europe, M. Dornier et Aïchauser, président et directeur. Pour la Mutuelle des enseignants, Madame Debac, administrateur. L'Office mulhousien des arts populaires, représenté par M. François Thuette, président. La commune d'Ilzac, représentée par M. Jean-Paul Fichesser, adjoint au maire. La commune de Lidenheim, représentée par Mme Schneider. La société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique, représentée par son directeur délégué, M. André Lavarenne. Les chorales Harmonie et Alliance de Mulhouse, représentées respectivement par M. Roland Custer, président de la chorale Harmonie, et Mme Custer, M. René Schwartz et Denis Schleflin, président et vice-président de la chorale Alliance.
La PEP Mulhouse, parents d'élèves de l'enseignement public, représentée par Mme Chantal Martin, présidente, M. Noël Miller, membre du comité, Mme Elisabeth Schneider, secrétaire. Les assurances mutuelles du Mans, cabinet Pierre Renner et associés, représentés par Mme Geneviève Schmitt. Le quotidien, l'Alsace et les DNA, le mensuel des Communousiens, le Petit Furet, qui tout au long de l'année véhiculent nos messages et nos comptes rendus, et FR3 Alsace. L'ensemble des élus, parlementaires et conseillers, les commerçants et amis donateurs cités dans la plaquette. Si je devais oublier un représentant prise par l'ambiance du moment, sachez que cet oubli serait bien entendu involontaire et veuillez accepter mes excuses. D'ores et déjà, je vous invite pour le concours le mercredi 18 mai 2011. Bonne soirée à tous, et je vous donnerai les résultats. Et que vive le chant choral scolaire de Mulhouse. La coupe numéro 20 et 23, coupe de la commune de Morchiller-le-Bas et coupe de la commune d'Ilzac, va à la chorale Les Colombes de l'école élémentaire de Pfastatt, dirigée par Madame Anaïs Stoll. Mention bien. La coupe 25 et 19, coupe des assurances mutuelles du Mans, cabinet Hunel et associés, et coupe de M. Pierre Fragurger, conseiller général. Mention bien, la chorale scolaire de l'école élémentaire Maurice Parès de Colmar, dirigée par Mademoiselle Laurence Higelin. Qui a dû nous partir un peu plus tôt. Numéro 11 et 12 de la Fondation Alliance de Mulhouse, le prix de 150 euros et coupe du journal Dernière Nouvelle d'Alsace, plus 8 bons menus Miam, Cora Dornac, 6 t-shirts, conseil régional et des trousses. Mention très bien, chorale Matisson de l'école élémentaire Henri Matisse de Mulhouse, dirigée par Madame Alexia de Marquis. C'était la catégorie des écoles élémentaires. Deuxième catégorie, collège et lycée. Coupe numéro 16 et 22. Coupe du crédit mutuel des enseignants de Mulhouse et prix 50 euros. Et coupe du trophée de la commune de Pfastatt. Mention bien, cœur des filles du collège Jean 23 de Mulhouse. Et du... La coupe numéro 6 et 18, coupe de la chorale Alliance Mulhouse, et prix 75 euros, et coupe de la commune de Riedisheim. Mention bien, chorale du collège Saint-Ursule de Riedisheim, dirigée par Mme Brigitte Montreuil. La coupe numéro 7 et 8, coupe de la caisse crédit mutuel Saint-Joseph de Mulhouse, et prix 100 euros, plus coupe du journal Alsace. Mention bien, Musikklasse der Walter Bildungsschule der Fête de Bâle, dirigée par M. Daniel Morf.